C'est une tradition en général. Lorsque approche la fin d'une année, on a pour habitude de voir un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents. Eh bien, c'est ce que nous allons faire encore avec les invités d'opinion. Il y a donc Rodolphe Urps. Bonsoir. Bonsoir, Rodolphe. Là, évidemment, on connaît davantage vos, vos traits, peut-être que votre visage, puisque avec Marc Large, c'est vous qui euh, Faites des éditos, euh, on va dire, sous forme de, de dessins quotidiennement dans, dans le journal Sud-Ouest. Et puis, il y a également euh, avec euh, avec nous Fabien Pont. Lui, c'est le médiateur. Bonsoir. Pourquoi vous êtes tous les deux sur ce plateau Eh bien, tout simplement, l'occasion de la sortie de ce livre. Large IRPS, un an d'actualité, à savoir les meilleurs dessins. que Vous avez vu, il y en a quelques-uns. <laughs> c'est pour prouver que j'ai travaillé un petit peu. Hein voilà. Euh, donc... <laughs> Donc, nous allons revenir donc sur les principaux événements des mois euh, passés. Pour commencer, novembre, euh, décembre 2017 et janvier 2018. L'affaire Weinstein, la mort de Johnny, la mort de Dormesson et euh, la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Pour commencer, ça a été l'occasion, parce que c'est ça aussi qu'on retrouve dans cet album, de, de, de faire un, un best-of aussi du courrier des lecteurs. Ça, c'est plutôt original. Oui, c'est un courrier des lecteurs parce qu'effectivement, il y a des sujets d'actualité qui euh, suscitent euh, beaucoup plus de. de... D'envie de, de, d'écrire de la part de nos lecteurs, Weinstein pas mal, mais bah oui, Notre-Dame des Landes aussi. Et on pourrait dire d'ailleurs, pour faire un rapprochement, puisque euh, on, on sélectionne un peu le côté lecteur pour commenter euh, cette actualité autour des dessins de, de Rodolphe Urbs et de Marc Large que euh, nos, nos lecteurs ont pas mal d'humour quoi. Euh, S'ils si avaient dessiné, ils, oh, ils, ils nous enverraient non. des dessins au lieu vous des courriers. Vous ne des recevez découvrir. pas que d'être euh, d'insultes ou de gens de, qui sont euh, ah. pas contents. Il y, y a bien, bien sûr quelques journal. dessins qui écorchent les sensibilités. Je dirais ouais. pas le contraire, mais ouais. je renvoie des fois les, 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 les mails à, soit à Marc soit à Rodolphe, mais très peu quand même. Il faut le dire. C'est vous qui faites le service après-vente. Ah bah, chacun se débrouille. Ça, chacun Ça arrive, ça arrive de temps en temps. Je réponds, je réponds quand même. J'essaye de Ouais, quand j'ai les, les coordonnées, j'essaye de répondre euh, ouais, au points que je peux ouais. Marc Large ouais. n'a pas pu être avec nous. En revanche, on a euh, un dessin parce que je lui ai demandé de nous faire une petite sélection des dessins qu'il a préférés durant ces mois écoulés. Euh, ça commence par euh, cette, cette euh, petite scène assez, assez étonnante regarder une actrice et payer pour euh, taire la, sa liaison avec Trump. Et euh, la femme qui répond Moi, il faudrait plutôt me payer pour l'avouer. Euh, voilà. <laughs> Fait marrer euh, Rodolphe, forcément. Mais c'est vrai que Trump, il, il est extraordinaire. C'est un, un personnage de, de, de dessin absolument euh, fabuleux. Mais vous, le dessin que vous avez choisi aussi, c'est François Fillon. Euh, Arrête la politique le 21 novembre et euh, donc, il fait un personnage qui dit Ta femme aussi Ouais, voilà. bah c'est euh, parce que maintenant, dès qu'on parle de François Fillon, enfin, au moins déjà à l'époque, euh, on ne pouvait pas s'empêcher de penser aussi à sa femme, quoi. Voilà, oui. Donc, euh, Pénélope? Parce que Pénélope, ouais. sacré Pénélope. Mais euh, ça. parce que je pense que parce que maintenant c'est un, un peu Jack le quoi. C'est euh, <laughs> Laurel et Hardy, quoi. Enfin, ils sont ils sont deux. Oui, il y ah, a quelques il, ans, il les, les, les Balkany aussi, qui ont été ouais, dessinés pas fait... mal aussi. Ah, hein ouais. Mais c'est vrai qu'il il, 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 il est par deux, quoi. Voilà. Euh, autre dessin choisi par Urps, crise dans les EHPAD, euh, libérer au moins les compotes. C'est vrai, ouais, celui-là, il a été refusé, hein, parce qu'il y a des dessins refusés dans oui, le, dans le livre. Euh, -là, <laughs> oui, quand même. Celui-là, il a été refusé. Voilà, mais vous auriez eu quelques <laughs> lettres l'embénager la sensibilité de nos, de nos lecteurs. Ouais. <laughs> Avec celui-là, vous auriez eu des lettres, hein, ça c'est sûr. Oui, on a des lettres, mais moi ce que je voulais dire, c'est que d'abord, c'est quand même, euh, d'abord, donner un coup de chapeau euh, aux, aux dessinateurs, et puis leur dire quand même que, bon, l'actualité de, de l'année passée vous a bien aidé, on a une actualité extrêmement riche. Oui. Ben, Entre la démission de Hulot, l'affaire le, 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 Weinstein, la mort de Johnny, de Dormeson, euh, Notre-Dame-des-Landes, euh, c'est pas mal, quoi. Ou la c'est la mort de Hulot la démission de Johnny. Mais euh, la mort non, ouais. Mais euh, non, vrai que. On peut, on peut le dire comme ça <laughs> aussi, aussi. Ouais, on a été aidé. Bon, la mort de jean D'Ormesson, je ne suis pas persuadé qu'on ça, ça, fasse beaucoup de dessins là-dessus. Mais euh, la mort de Johnny, c'était quand même une... presque une angoisse. Alors, à titre personnel, c'est presque une angoisse personnelle de, de, de qu'est-ce que je vais faire le jour où il Oui, de là, c'est compliqué. Ouais. Des, des, des sujets euh, comme ça, comment, comment on fait pour les, pour les aborder sereinement On se dit, il ouais, ne faut pas que j'aille trop loin On espère que ce sera la semaine de l'autre. Enfin, oui, fais, parce qu'en fait, euh... ce qui se passe, c'est que Rodolphe euh, <laughs> et Marc Larche, je, je partage une semaine sur deux. Donc, euh, c'est vous, c'est tombé sur votre semaine. Oui, à 6h du matin, Marc m'a envoyé un SMS en me disant, c'est pour toi. J'ai compris tout de suite. <laughs> j'ai compris ah ce qu'il voulait dire. Si, si, il dit, non, euh, Justement. il m'a écrit texte. Il m'a écrit texto. Il m'a écrit, c'est pour ta gueule. Et j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Je me dis, ah, euh, mais... Johnny est mort. Et ah, euh, oui. donc, euh, comment on envisage euh, ben, on, on fait comme tout le monde. On, euh, je pense qu'on on écoute euh, former la radio. Bon, au bout d'une heure et demie, on en a marre, hein, parce que Johnny, a l'idée, c'est la, la, la journée de la mort de Johnny a été quand même assez éprouvante au niveau des oreilles. Mais euh, c'était insupportable parce qu'on n'entendait que ça. Mais c'est vrai que, et puis après on cherche, enfin comme pour le reste, quoi, on cherche une idée, on écoute, on voit un peu de, de quel côté vers l'information. Voilà. Euh... là vous avez fait un des, des dessins hein euh, noir c'est noir on voit ouais. Johnny en train de chanter à la télé il y a un homme euh, accoudé au, au comptoir qui euh, trop euh, trop c'est trop mais je crois que ça c'était je crois que ça c'était deux, deux ou trois jours après la mort oui, de Johnny c c on en beaucoup. ça commençait à être euh, ça ouais, un peu à être lourd. vraiment vraiment douloureux ouais, ouais. Un peu lourd. Ouais, on, on peut aimer ou pas aimer c'est pas le problème c'est juste que c'était au niveau d'une du, du, sorte de matraquage de l'information c'était euh, voilà c'était mais c'est vrai que le, le sur le coup le, le premier dessin c'est pas simple à faire, parce que voilà, c'est vraiment de l'information. Alors, Dieu merci, on est au courant le matin. Ouais. Euh, heureusement, il ne meurt pas à 22h. Voilà, euh, il oui, est dans la vrai. nuit, donc on a quand même la journée. Euh, voilà, si, je crois que s'il était mort en soirée, ça aurait été un peu, un peu vraiment, vraiment difficile. J'imagine ouais. qu'il y a eu beaucoup de choses hein, sur l'amour de Johnny aussi, euh, oui. Fabien. Moi, je ne résiste pas à, à, à l'envie de vous lire quand même ce petit extrait d'une euh, lectrice... Euh, euh, qui s'appelle Marie-Josée Téchonneau de Bordeaux, et qui dit euh, ⁇ Peut-on trouver un point commun entre ces deux géants, l'un de la chanson, l'autre de la littérature ?⁇ A priori, il y en a autant entre les deux qu'entre une brosse à dents et un sous-marin nucléaire. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Oui. Pas effectivement, mal. On, on, voit, on voit bien la différence là <laughs> du coup. Hein. C'est effectivement une, une différence assez, assez nette. Euh, voilà donc pour ces trois premiers mois, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018. Euh, donc beaucoup de, beaucoup de choses se sont passées. Vous allez le voir dans un instant, euh, ou plutôt euh, tout à l'heure sur euh, TV7. Il se passe encore beaucoup de choses dans les mois qui viennent euh, avec nos invités. Nous allons poursuivre bien évidemment ce retour sur les principaux événements des mois précédents.